Bonjour à tous et bienvenue dans notre salle de fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de body sculpt durant 30 minutes. Pour chaque exercice, nous proposons différentes possibilités à vous de choisir la plus adaptée à votre niveau. Aujourd'hui, nous aurons besoin de deux matériels. Dans un premier temps, d'un tapis ou d'une serviette si vous n'en avez pas et d'une paire d'haltères ou des bouteilles d'eau si vous ne possédez pas d'haltères. Et c'est parti! Alors, on entame sur l'échauffement. On va commencer déjà par activer légèrement les épaules puisque c'est ce qu'on va bien travailler aujourd'hui. Donc, faites-moi des rotations, des petites dans un premier temps et après, on va venir les augmenter. Essayez d'en faire de plus en plus grandes, de prendre de plus en plus d'amplitude. On n'est pas obligé d'aller très vite, mais l'objectif, c'est quand même d'activer le corps dans l'autre sens. Puisque là, on a un travail aujourd'hui qui est un petit peu plus attardé sur le haut du corps, même si on va quand même tout travailler. Bras tendus dans l'autre sens, faites des petits cercles dans un premier temps et venez les agrandir au fur et à mesure jusqu'à faire des très grands cercles. Ok, dans l'autre sens, on commence par les petits qu'on agrandit au fur et à mesure. Ok, on relâche les épaules, mettez les mains sur la nuque, partez de droite à gauche, faites des petits mouvements de cercle. On peut faire aussi des demi-cercles, on n'a pas besoin d'aller s'incliner vers l'arrière. L'objectif c'est quand même d'activer nos trapèzes puisqu'ils sont reliés à nos épaules pour éviter que ça tire trop au niveau des cervicales. Faites des noms sur le côté, penchez la tête à droite et penchez la tête à gauche. Faites des oui maintenant vers l'avant. Et vers l'arrière, il n'y a pas besoin d'aller très loin vers l'arrière. Par contre, on peut rentrer le menton vers l'avant. On fait sur le côté. Et vers l'arrière et vers l'avant. Ok, on vient activer au niveau des coudes. Donc faites-moi des mouvements de rotation. Rentrez à l'intérieur et ressortez à l'extérieur. Parfait. Changez. Ok, on va venir faire une rotation de hanche. On élève le genou vers le haut et on vient écarter sur le côté. Montez, écartez et ramenez. On y va, on peut enchaîner. Mettez-y à cette vitesse, ni trop lent, ni trop rapide. Encore 3, 2, le petit dernier. Changez de côté. Parfait. On monte le genou bien haut, on écarte la cuisse sur le côté tout en essayant de garder le bassin face à nous. Encore 3. Dernier. Ok, on fait juste un petit coup au niveau des chevilles et après on entame dans le corps de la séance. Donc faites des rotations avec les chevilles. Mettez du poids sur la cheville pendant la rotation quand même, sans non plus l'écraser totalement. Pensez à varier un peu les sens de rotation, les mouvements un peu vers le haut, un peu vers le bas. Si vous entendez bien, on a entendu la chute de Kevin craquer. Changez de côté. C'est normal si ça craque, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de bien étonnant à ça. Ok, on va venir attraper directement nos petites haltères ou notre petite bouteille d'eau, suivant ce qu'on possède. On va venir enrouler les épaules. Dans un premier temps, on va glisser le long du corps, pousser les fessiers vers l'arrière, fléchir les genoux et remonter lentement en soufflant. Inspire. Et expire, souffle. Poussez les fessiers vers l'arrière. Comme vous voyez, je libère la souplesse de mon dos et de mes hanches en fléchissant les genoux et en poussant les fessiers vers l'arrière afin de maintenir un dos droit. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le dos le plus droit possible sur ce mouvement. On descend et on remonte. Contractez votre transverse, engagez vos abdos profonds
Et gardez la tête alignée avec la colonne. On fait ça encore 3 fois. 2. Restez en bas. Poussez les fessiers vers l'arrière. Les poignets, les paumes de main face aux genoux. On va venir tirer les coudes vers le haut et ramener devant. On tire, on ramène. On ne va pas rester très longtemps dans cette position parce qu'elle est compliquée à maintenir au niveau du dos et on n'a pas envie de se faire mal aux lombaires. Si vous sentez que ça tire dans les lombaires, vous relâchez, vous vous redressez et vous vous replacez. Inspirez, on y retourne, on monte et on ramène. Les coudes vers le haut, comme si on cherchait à venir écarter le dos, serrer nos omoplates et pousser vers l'arrière. Encore 3, 2 et 1. On relâche et on redresse. Enroulez les épaules, détendez un tout petit peu. On va y retourner pour un deuxième tour. Donc, fléchissez, poussez les fessiers vers l'arrière. Montez, descendez. Essayez d'ouvrir la cage thoracique. Épaule basse, coude vers le haut. Serrez les omoplates, poussez vers l'avant. On y va, encore. 10. 1er, restez là, 3, 2, 2, 2, 1, on relâche. Je vais voir si Kevin a l'air allé, mais pas de réaction de sa part. Ok, on va venir mettre les poids au niveau des épaules. Dans un premier temps, on va faire un petit squat et remonter tout simplement. On pousse les fessiers vers l'arrière, le poids fixé sur les talons. La poitrine haute, juste on descend et on remonte. Les poids, vous pouvez les poser sur les épaules carrément, c'est pas gênant, il faut juste les maintenir quand même avec nos mains. Et on peut très bien faire cette partie sans les poids, mais vous allez voir que par la suite, on va en avoir besoin pour une combinaison. Inspire, descente, expire, montée, regarde droit devant toi pour garder l'équilibre. Si ça tire trop au niveau des jambes, tu descends un peu moins bas avec Kevin. Tu adaptes en fonction de ce que tu peux faire. Pense à bien mettre les pointes des pieds vers l'extérieur, le poids fixé sur les talons. Et là, on bloque. Vas-y, reste en bas. Comme vous voyez, Kevin, il est droit. Il regarde droit devant pour garder l'équilibre. Ses poids sont posés. Il peut les tenir vers l'avant, contre la poitrine. C'est comme il préfère les placer. 5, 4, 3, 2 et 1. On remonte. On secoue un petit peu les jambes. On les détend très tranquillement. Et on y retourne, c'est reparti Kevin. Deuxième tour, mais on va venir compléter avec d'autres mouvements. On repart sur des squats simples. Inspire, descente, expire, montée. Engage les cuisses et les fessiers. Parfait. On maintient dans l'effort. Et on va venir rajouter des extensions de bras vers le haut. Et on descend. Le mouvement est combiné. Comme vous voyez avec Kevin, il utilise le squat pour amortir la descente des poids, et il utilise la remontée du squat pour les aider à propulser les bras vers le haut. Ça permet vraiment de réduire l'intensité au niveau des épaules. Parfait. Si besoin, si ça tire trop, on n'est pas obligé de tendre les bras, on s'arrête un peu avant au-dessus de la tête. Et on descend un peu moins bas sur le squat. Bloquez en squat en bas et faites des pulses. Bloqué. Et refaites 5 pulses. Une dernière fois, bloqué. Et 5 pulses. 3, 2 et 1. On détend les jambes. Secouez, 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 secouez. Ok. Pour le moment, on peut poser nos poids derrière. On les reprendra plus tard. On reste encore un tout petit peu sur les jambes, mais on n'en a plus trop pour longtemps. Alors là, on va venir faire un squat qui est beaucoup plus serré. On laisse un petit espace quand même, mais c'est beaucoup plus serré. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur pour éviter de rentrer. On pousse les fessiers vers l'arrière et on remonte. C'est parti. On peut rajouter un petit peu de vitesse ou le faire assez lentement. On voulait gérer la cadence et l'amplitude. On peut aller faire un quart de squat
Tout comme on peut faire un squat beaucoup plus grand. C'est à vous d'adapter en conséquence. Inspirez et soufflez. Parfait. On va rajouter une petite combinaison pour compliquer la chose. Est-ce que ça passe, Kevin? Parfaitement bien. Ok. On va venir rester en bas. Et avec notre jambe droite, on va venir tape, ramène, tape, ramène. Comme vous voyez, tout le poids est fixé sur notre jambe qui ne bouge pas. Le poids, il n'est pas dans cette jambe qui se déplace. Elle a fait que toucher et s'écarter. Plus vous êtes bas sur la jambe d'appui, plus la contraction est forte, plus le travail va être intense sur toute la jambe qui est statique. On redresse, détendez un peu les jambes, secouez. On redescend et on tape de l'autre côté, côté gauche. Alors comme vous voyez avec Kevin, il compense avec ses abdos pour éviter à son bassin de trop pencher sur le côté, de perdre, on va dire, son équilibre. Et du coup, de complètement se tordre. N'oubliez pas, plus on est bas sur la jambe d'appui, plus le mouvement est compliqué. On peut ne même pas toucher le sol si on a envie. Mais par principe, pour le repère, c'est mieux. 5, 4, 3, 2 et 1. Détendez. On peut en faire un deuxième tour. Allez. Et après, on passera sur le tapis. Ok, on va reprendre d'abord avec le squat. Donc, squat serré. On va faire un deuxième tour un petit peu plus compliqué. On descend et on remonte. Essayez de mettre un petit peu plus de cadence, un petit peu plus d'intensité. Parfait. Attention, on ne se penche pas vers l'avant. Le buste reste droit, c'est les fessiers qui vont vers l'arrière. Parfait, encore, 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 encore. On maintient dans l'effort. On reste en bas et on tape à droite. Tape, tape, tape. Et tu tapes, tapes, tapes. Ce refrain qui te plaît. T'as oublié un passage. Allez, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient dans l'effort. Ok, l'autre côté. Est-ce que ça chauffe dans les cuisses, Kevin? Ouais. Parce que j'ai une petite surprise pour toi. Ah là là. On rechange de côté une dernière fois et après on sera au sol. Ça t'assure. On refait droite et gauche. Ça va, c'est mignon. Oui, ça passe. Et si tu descendais plus bas pour voir. 3, 2, 1, l'autre côté. Dernier. Allez, maintenez, maintenez 10 secondes. 3, 2, 1, détendez. Secouez un peu les jambes. Relâchez. Gardez vos poids pas loin du tapis. On va venir passer au sol. Donc on va venir dans un premier temps se mettre sur les genoux. Vous aurez Kevin de face. Kevin de profil, pardon. Et moi de face. Vous pouvez prendre soit un ou deux poids. Jouez ce show. Vous allez vous mettre sur les pointes de pied. Fessiers sur les talons. Donc prenez un ou deux poids au choix. On vient venir tendre les bras au-dessus de la tête dans un premier temps. Fléchir vers l'arrière et remonter, tendre les bras. On y va. Donc, poids derrière la tête et on remonte. Comme vous voyez avec Kevin, ses coudes sont immobiles. C'est juste une flexion et une extension. Il descend et il remonte. Il n'y a pas besoin de bouger les coudes. Juste de les fléchir. Et de remonter. Essayez de serrer les coudes. L'objectif, c'est pas qu'il soit trop large. On cherche à travailler l'arrière du bras. Plus vous êtes immobile, plus vous êtes technique, plus les ressentis sur le mouvement seront intéressantes. Inspirez descente et expirez en montant. Parfait, encore et on relâche. Faites une petite pause, détendez les bras, relâchez un petit peu. On va avoir un deuxième tour bien évidemment. Vous pouvez reprendre votre poids ou deux au choix. Et on va augmenter un petit peu la cadence. On descend, on remonte. On descend, on remonte.
N'oubliez pas, favorisez par contre la technique à la performance. Je préfère que vous soyez plus lent et plus propre que l'inverse. Normalement, vous sentez vraiment la tension qui monte au fur et à mesure. C'est normal. Travaillez, floup, floup. Et là, on fait des petits, on fait plein de petits pulses, plein de petits pulses. Alors, attention pour les pulses. Kevin, fais-les un tout petit peu plus haut. Il faut que les pulses ne soient pas complètement derrière la tête. Si vous êtes trop en bas, vous pourrez en faire à l'infini. En fait, on sera plus dans un étirement du triceps au fur et à mesure. Alors, si vous êtes au-dessus de la tête, légèrement au-dessus, la contraction est beaucoup plus forte. Est-ce que tu le ressens, Kevin? Oui. On relâche. Détendez les bras. On peut faire un dernier tour, du coup. Allez. Étendez un petit peu, enroulez un petit peu les épaules, replacez-vous, tendez les bras, on y retourne. On descend, on remonte. C'est pas la dernière partie sur les triceps, mais on les aura bien échauffés déjà. Alors, vous n'êtes pas obligé, comme vous voyez avec Kevin, il le fait beaucoup, de faire une extension complète lors du mouvement. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras à fond et de venir claquer l'articulation. On s'arrête juste avant et... avant l'hyperextension, on redescend tout simplement. On fait des pulses, Kevin. C'est parti. Il a les bras en feu, mais il n'ose pas le dire. Maintenez, maintenez, maintenez. Bloqué. Et pulsez. Pulsez, 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 pulsez. Bloqué. Et une dernière fois, pulsez. Et on détend. Poussez les fessiers vers l'arrière, les bras tendus vers l'avant pour détendre légèrement. Relâchez un petit peu au niveau des bras, enlevez la tension. Ok. On revient dans la même position qu'on était. On va venir reprendre nos poids dans les mains. C'est les deux cette fois, un par main. Dans un premier temps, on va élever vers l'avant. Et ensuite, élever sur le côté. Donc, élévation frontale et élévation latérale. Comme vous allez le voir avec Kevin, surtout de profil, si vous voyez, ses bras montent bien vers l'avant, alignés avec l'épaule, et ils montent bien sur le côté, alignés avec ses épaules encore une fois. Son dos est droit, ses abdos sont gainés, il se protège, il a bien raison. Donc, on élève et on redescend. Si vous voulez augmenter la difficulté vers l'avant, alors, ne mettez pas en prise marteau, mais plutôt les paumes de main vers le sol en permanence. Et vous allez voir que l'intensité au niveau des épaules est plus haute. Plus votre mouvement est lent, plus la difficulté augmente. Soyez très très lent pour essayer au moins une fois et vous allez sentir que la tension est intense. Alors, la tension sera intense à la fois à la montée, puisque là est la difficulté, mais plus vous résistez aussi à la descente, plus ça va chauffer dans les épaules. Relâchez légèrement, on met un peu les bras vers l'avant. Les épaules sont un plus petit muscle, il faut donc savoir les relâcher de temps en temps. On détend et on ramène. On y retourne pour un deuxième tour. Allez. On élève et on élève. Gardez l'alignement. Si vous êtes ici, si vous êtes ici, si vous êtes ici, pas intéressant. Si vous êtes ici, et si vous êtes ici, là, ça nous intéresse. Soufflez et ramenez. Soufflez et ramenez. Parfait. Parfait. On fait encore quelques fois. Presque fini. Restez bloqué sur le côté. 5. 4. 3, 2, 1, on relâche. On enroule, restez bloqué vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Posez les poids sur les côtés, tendez les mains vers l'avant. Fessiers vers l'arrière. On va venir passer en quadrupédie. On n'a plus besoin que d'un seul poids. Donc, on va venir se mettre à quatre pattes. Vous allez attraper
votre poids dans la main droite ou dans la main gauche. De préférence, commencez par votre bras le plus faible. Si c'est le gauche, commencez par le gauche. Si c'est le droit, commencez par le droit. Donc, une main au sol, les deux genoux au sol. On va venir coller un coude au niveau des côtes, au niveau du corps. Tendre le bras vers l'arrière et ramener en fléchissant comme un biceps curl. L'objectif là, c'est pas la flexion, c'est l'extension qui travaille. Comme vous voyez Kevin, moins le coude bouge, plus le triceps va se contracter et plus vous allez sentir le travail ciblé au niveau du bras. On tend et on ramène, c'est parti. Vous gérez la cadence, si vous voulez aller vite, vous pouvez aller vite, mais faites-le bien. Si vous bougez le coude à chaque fois, vous pourrez faire ça à l'infini, vous ne sentirez rien du tout. Ok, changez de bras, l'autre côté. Si vous préférez au niveau des mains, vous pouvez vous mettre soit sur la main, soit sur le poing, à vous de choisir. Si vous êtes plus à l'aise au niveau du poignet. Engagez vos abdos, protégez votre dos. Maintenez encore. Trois, deux, un. Bras tendu vers l'avant, fessier vers l'arrière. Détendez. Un petit peu. On lâchait. Et on y retourne. On rechange de bras, mais on va augmenter l'intensité et la difficulté cette fois. Donc montez. Tendez, ramenez, tendez, ramenez. Mettez-moi plus de vitesse, mais gardez votre technique. Si vous sentez qu'avec la fatigue, ça devient trop dur, ralentissez. Faites une petite pause si besoin, mais essayez de reprendre le mouvement. Ok, Kevin, on pulse. Alors, les pulses sont plus compliquées. Parce que là, il faut quand même faire attention à ne pas bouger le coude. Donc, on fait plein de petits, tout en essayant de regarder la technique. Vous ne pourrez pas les faire tout en haut. C'est normal. 3, 2, 1, on change de bras. Donc d'abord les singles, on tend, on ramène, on tend, on ramène. On est dynamique, on enchaîne dans le mouvement. Soufflez à la montée, inspirez à la descente. Et venez faire des petits, c'est parti. Maintenez le coude fixe au niveau du corps. 3, 2 et 1. On relâche. Écartez le poids, on n'en a plus besoin de toute manière. Et venez vous asseoir sur vos fessiers. Reculez les doigts vers l'arrière, les mains vers l'arrière, les doigts en direction des fessiers. Les fessiers n'ont pas avancé vers l'avant, donc vous êtes quand même assez reculé au niveau des bras. Serrez largeur d'épaule, on vient fléchir les coudes vers l'arrière et on pousse avec les mains. Donc retenez la descente, c'est pas votre dos, c'est pas vos lombaires, c'est pas vos abdos qui retiennent la descente, c'est vos bras. Contractez vos bras en descendant et poussez avec pour remonter par la suite. Si vous faites ça, vous allez avoir d'énormes sensations des triceps, sinon vous ne ressentirez rien et ce n'est pas l'objectif. Donc on inspire descente et on expire montée. Comme vous voyez, Kevin, lui, préfère se mettre sur les poings, c'est aussi une option. Allez le choisir. Essayez de ne pas laisser vos épaules se faire embarquer vers le haut. Et on relâche. Étendez les bras vers l'avant. Tirez un petit peu si vous souhaitez. Pas très longtemps. Et on y retourne. Même principe, même technique. On se met sur les talons vers l'avant et on y va. Fléchissez et poussez avec vos bras. Encore. Bloqué en bas. 5, 4, 3, 2 et 1. Normalement, vous avez les avant-bras
et l'arrière du bras qui sont en folie. Ouais. On y retourne pour le dernier tour, c'est parti. On augmente encore un peu l'intensité, un peu plus vite. On y va, en bas, en haut, en bas, en haut. Mais maintenez votre technique. C'est pas vos abdos qui travaillent, c'est vos bras. Et là, faites plein de petits en bas, plein de petits, plein de petits. Bloqué. Maintenez, maintenez, maintenez. 5, 4, 3, 2 et 1. Ça va, Kevin? Ouais, ça a bien chauffé. Tu peux t'allonger, Kevin, profites-en. Parfait. Allongez-vous sur le dos. Talon près des fessiers. On va venir décoller les jambes et tape, enchaîner les tapes alternées. Si vous sentez que ça tire au niveau des lombaires, vous posez les pieds au sol, vous placez les mains sous les fessiers. Tape, tape. Alors, ce n'est pas une flexion de genoux, c'est un mouvement de hanche. Je descends, je ramène. Si vous voyez, mon genou en soi, il ne bouge pas. Maintenez dans l'effort, vous pouvez mettre un petit peu plus de cadence uniquement si vous sentez que du travail dans les abdos. Si vous sentez quoi que ce soit au niveau dos, vous relâchez totalement. Ok, on relâche. Pour 5 secondes, 10 secondes, 3, 2, 1, on y retourne. Parfait. Si ça tire un peu au niveau des cuisses, c'est normal, c'est le travail qu'on a fait avant, vous inquiétez pas. Ça nous aurait plutôt étonné du contraire. 5, 4, 3, 2 et 1. Ouh. Décollez les jambes, mollets parallèles au sol, mains sur les cuisses, gainage hypopressif, ramenez les cuisses vers vous et poussez avec vos mains. Créez l'opposition, plus l'opposition est forte, plus l'intensité de l'exercice est forte. Vous avez l'option facile avec Kevin, ce sont les pieds au sol mais les talons très proches des fessiers. Et l'option décoller avec moi qui est plus dure, car il faut ramener les jambes vers soi, les repousser en même temps et garder un engagement des abdos maximum. Maintenez dans l'effort. Maintenez, 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 maintenez. Et relâchez. Prenez une grande inspiration, respirez. On y retourne pour un deuxième tour. 3, 2, 1, on y va. Créez l'opposition, comme vous voyez avec Kevin. Même s'il a les pieds au sol, il essaie un peu de ramener les cuisses vers soi et vraiment de les pousser avec sa paume de main. Ce n'est pas en fait ses bras qui repoussent, c'est tout l'engagement de son corps au niveau de la cuisse. Maintenez, maintenez, maintenez. 4, 3, 2 et 1. Passez en gainage frontal, on termine là-dessus. On a une minute à tenir, donc mettez-vous sur les coudes ou sur les mains, genoux au sol ou pointe de pied. Tout ce qu'on vous demande, c'est de maintenir la position en fonction de ce que vous pouvez faire, mais on finit ça jusqu'au bout. Il ne reste que très peu de temps. Les coudes alignés sous les épaules, le dos légèrement arrondi, les fessiers ni trop bas, ni trop haut, et on maintient la posture. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Il nous reste 45 secondes. Est-ce que ça va, Kevin? Ouais. Est-ce que t'as mal au dos? Non. Parfait, tu peux garder les pointes de pied du coup. Si vous sentez vraiment que ça tire dans les lombaires ou autre, que si vous êtes sur les pointes de pied, posez les genoux et si ça tire encore, relâchez complètement. L'objectif, c'est pas de faire mal. Il reste 20 secondes. Maintenez,
5, 4, 3, 2, et 1. Fessier vers l'arrière, bras tendu vers l'avant. Pouf, soufflez, on en a terminé pour cette séance. Merci à tous de nous avoir suivis, on espère que ces 30 minutes d'exercice vous ont plu et vous ont fait du bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Et en attendant, prenez soin de vous.